Ça tourne. Les projecteurs sont braqués depuis hier sur l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. La 13e édition du concours de jeunes cinéastes africains est lancée. La petite Noura, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un village qui est déscolarisée. Elle rêve d'aller à l'école. Et à Abidjan, son rêve va devenir un cauchemar. C'est l'histoire d'un homme dont la femme ne peut faire l'amour tant qu'elle ne mange pas des omelettes. Le nombre de pays participants a connu une croissance, notamment le Libéria, le Togo, la Gambie. En dédiant l'année 2013 au cinéma, c'est le moment pour les acteurs du secteur de faire preuve de créativité. Dans nos pays, les écoles de cinéma n'existent plus. Le cinéma lui-même est plus de nombreuses difficultés. Les salles de cinéma ont été fermées, ont été transformées en autres lieux que des lieux de distribution du cinéma. Il faut donc former la relève. Le cinéma, il est art, mais il est aussi technique. Et comme toutes les sciences et techniques modernes, il faut s'en approprier. Et ça, c'est l'élément numéro un. Ensuite, viendront les talents. Plus de 15 films sont en compétition. Les projections des films vont se faire dans plusieurs endroits, notamment des salles de cinéma. Les séances sont ouvertes à tous les jeunes qui voudraient affiner leurs connaissances dans ce domaine.